Merci, merci, éternel. Ouais. On reste pas à côté, on rentre dedans. Je suis venu pour me faire baptiser. La serviette a quitté ici. Ouais. C'est arrivé là-bas. Il a déposé sur sa poitrine. Il avait une insuffisance cardiaque. Automatiquement, c'est arrêté. Oui. On l'a vu. Ah bon? C'est ma soeur. Mon petit frère, accouchement chez lui. Il est le meilleur cuisinier du Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Champion. Champion. Il a fait 7 ans au palais présidentiel. Honneur au Dieu des papas Florian qui opère des guérisons miraculeuses. Tous ces vivriers, tous ces dons particuliers ont été envoyés dans la maison du Seigneur cette semaine par ce grand chef cuisinier, l'un des sommités de la cuisine en Côte d'Ivoire, qui était malade depuis longtemps, souffrant de problèmes respiratoires, hospitalisé et sans espoir d'une guérison certaine. Mais quand la sévère puissance 7 l'a trouvé sur son lit d'hôpital, miracle, miracle instantané, et le voici sur pied aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous rend visite pour découvrir qui est ce Dieu merveilleux, qui est ce Dieu extraordinaire qui guérit aussitôt. Mais moi, j'ai beaucoup tourné. Mais la personne de Jésus-Christ, moi, j'ai vu. Si lui, il a vu Jésus-Christ, c'est que moi, je sais où Dieu habite. Il rentre là-bas, il sort, guérison. Nous, on ne peut pas vous. Vous savez, il m'a tellement loin, je l'ai écouté, automatiquement, ici, il rentre dedans, dans sa vision. C'est pas beaucoup parlé. Il a trop parlé. C'est nous, on parle. Aujourd'hui, par cette guérison miraculeuse, il est devenu évangéliste du Dieu des papas Florian. Le Dieu des papas Florian démontre par ce miracle qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen.